Bienvenue sur Je suis original, c'est Redim. J'espère que tout va bien chez vous. Et souscrivez, partagez, je reviens. Petit coucou en anglais, je reviens. Voilà, prenez le temps de souscrire. Welcome to Jesus Christ Original One. This is Redim and I hope you're doing very, very well. And I'll be back to you. Take the time to subscribe. I'll be back to you. This is a very short video. Voilà, je suis avec vous maintenant. Et Alf Lucas se retrouve en scandale financier. En plein scandale financier, il doit, ou en bref, son église, il doit, c'est lui le fondateur, n'est-ce pas? Donc, il doit 50 millions rand, il est basé en Afrique, 50 millions rand au propriétaire des lieux. Donc, on l'a amené en justice depuis 2018, il n'arrivait pas à payer le loyer et qui s'élevait à plus de 1 million rand par mois. C'est terrible, n'est-ce pas? Donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Et dites-moi dans les par rapport à ce qu'il reçoit en dîme, et ici ne paie pas, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que d'ailleurs on a besoin de ce grand lieu et spécial pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir adorer Dieu? Dites-moi dans les commentaires. Voilà, c'est une petite vidéo. Réagissez, souscrivez, partagez, fuyez ces églises de fashion, de bling bling et autres là. Priez, procurez-vous des Bibles et voilà, Louis II, la version la plus cohérente, et priez, recoupez-vous en famille, à la maison, priez simplement. Jésus-Christ n'avait pas besoin de tout ça, un grand lieu comme ça, de spécial, de fashion et autres, avant de prier. Voilà, souscrivez. Quand Jésus-Christ était sur terre, il était humble, il était simple, il n'avait même pas de chaussures. Allons relire la Bible, ok? Donc voilà, souscrivez, partagez, ouvrez les yeux, sortez de ces lieux-ci. On peut faire de grands dons de dîmes et autres, des dîmes de grands montants comme cela. Et si on ne peut pas payer les lieux où on va adorer, est-ce que ça vaut la peine? Donc souscrivez, ouvrez les yeux, courez de ces lieux, courez pour votre vie. Et voilà, soyez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je parle en anglais. Souscrivez, partagez surtout. Merci. Welcome to Jesus Christ Original again, and this is Redim. I hope you're doing very, very well. And this video, Alf Lucas, I know that you know him well. He's based in South Africa, and he's in a scandal, financial scandal now. The place they were renting, and you remember that I can say that type of miracle, the resurrection miracle, the fake one, you remember, right? It happened in that location. They were renting a place they couldn't pay anymore since 2018. They couldn't pay, and now they own 50 million rent, exactly around $3 million, 498 plus is what they own. And when they asked them to not be there, they will continue being on that location, and they are charging them again. And what do you think? If he is paying, really, if he's honest, paying that money they were giving him, they were paying the title and all this stuff. If he was paying, should he have that debt now? What do you think? Tell me, if you're living on those place, run for your life. Seriously, if you are living on that place, run for your life. Run for your life. Seriously. Then stay blessed. This is Redim, and run for your life. Is it necessary to have a big place for adoration, or to have a special place, a modern place to be paying a lot? People are hungry. People need food, and to be, I don't know what you think. Write it down below, please. Share the video. Run for your life if you are living on those church, or find as a family group yourself in the house, pray, and you know, what do you think? Jesus Christ didn't live those type of life. He didn't have a big place like that, a special place before praying. Stay blessed. This is Redim. This is a breaking news. This is a very short video. Stay blessed in the name of the Lord. Bye bye bye. Love you in the Lord. Bye.